Monsieur Prolier, donc, vous êtes le gérant de la société Allobat Habitat, qui célèbre ses 10 années d'existence. Est-ce que vous pouvez revenir sur la création de votre entreprise et nous présenter son activité ? Alors, nous avons créé la société Allobat en 2007, donc il y a un peu plus de 10 ans, pour aider les personnes à mobilité réduite. Et en octobre 2007, nous avons rencontré LG, le gros groupe LG, et on a signé un partenariat avec eux pour la distribution et la transformation de notre résine de synthèse. Donc notre activité qu'on a développée sur l'atelier de l'Ubicaire, donc avec cette résine pour faire des douches, des plans de travail de cuisine, des paillasses pour les hôpitaux. Nous avons fait un salon à Norbat en 2014. Nous avons rencontré le gros groupe Ideal Standard, qui était à la recherche pour le bailleur Pascal Habitat de création d'une nouvelle douche. Donc nous avons fait ensemble cette création de douche sans entretien. Donc en 2016, pour répondre à vos besoins de développement, vous êtes arrivé sur Bapom. L'intercommunalité vous a accompagné dans votre installation. Vous êtes aujourd'hui ici dans un bâtiment relais qui appartient donc à la communauté de communes. Comment vous avez réorganisé votre activité ? Alors, suite à un gros appel d'offres de Pascal Habitat concernant notre kit Pronova, nous avons eu la chance d'avoir rencontré M. Cotel, qui nous a loué un beau bâtiment sur le site de Bapom, qui nous a permis de se développer et d'investir dans des grosses machines de commandes numériques, des presses et tout ça, pour se développer suite à des gros marchés avec les bailleurs. D'accord. Donc aujourd'hui, Bapom, c'est votre atelier de production. Voilà. On a ce site de production très bien, mais qui malheureusement devient un petit peu trop petit. Et sur le Ubicaire, ça reste le siège social ? Oui. Alors, on gardera toujours le siège social à l'Ubicaire. Et l'atelier qu'on avait avant va devenir un atelier de recherche et de développement pour ce produit. Il faut aussi souligner que en 10 ans, à la création, vous étiez seul. Aujourd'hui, vous avez un effectif de 20 salariés. Comment vous gérez l'emploi, l'humain dans votre entreprise ? Alors, ce que je recherche avec mes employés, c'est d'être humain. Donc, il n'y a pas de numéro, chacun n'a pas un numéro. On se tutoie tout le monde. Il y a une relation toujours patron avec le salarié, mais une confiance absolue. Il faut rester humain avec les salariés et on fonctionne comme ça et que ça marche très 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 bien. Aujourd'hui, vous avez encore des besoins de recrutement ? Voilà. Donc on développe encore ce produit et on a besoin de personnes à la production. Hein, on aurait besoin de 4 personnes à la production. Et 4 personnes en pause, qui malheureusement ont une difficulté à trouver. Quels sont vos projets pour l'avenir ? Alors, le projet de l'avenir, c'est de développer ce kit sur le territoire français, hein, avec des points d'agence un peu partout, et de créer encore beaucoup d'emplois au sein de Bapom et du Sud Artois. Monsieur Prolier, merci de nous avoir reçus. Bonjour Loïc. Donc, bonjour. Ça fait un an que tu as été recruté dans la société Allobat Habitat. Est-ce que tu peux nous expliquer ton poste et ta fonction ? Alors, j'étais embauché depuis le 12 juin l'année dernière. Ça va faire bientôt un an, d'ici un mois. Et j'étais employé en tant qu'ouvrier polyvalent, spécialisé en atelier. Et c'est un travail que tu réalises seul ou c'est un travail d'équipe ? Il y a quelques étapes où on fait seul. Et quand il y a un petit souci ou quoi, il y a toujours mon chef d'atelier qui est présent pour m'aiguiller. Mm-hmm. Pour terminer, si tu devais définir la société Allobat Habitat, qu'est-ce que tu en dirais ? J'en dirais que je ne regrette rien d'être arrivé dans cette équipe. Parce que mon parcours n'a pas été très facile, mais grâce à M. Prolier, il m'a ouvert une sacrée porte.
et j'espère continuer pas mal d'années en sa compagnie et surtout évoluer beaucoup plus dans son entreprise, la faire tourner au maximum. Très bien, c'est tout ce qu'on souhaite. Je vous remercie beaucoup.